Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué dans le décor, aujourd'hui on va parler écouteurs. Quoi que tu me diras, vu comme ça, la boîte est peut-être un petit peu floue. Eh bien, la voici plus nette. On va parler des Open Rock Pro. C'est quelque chose qui reste plutôt discret. Maintenant, si je tourne la tête, vous les voyez ici. Alors, ça existe peut-être déjà depuis un bon bout de temps. Moi, perso, c'est la première fois que j'entends parler de ce design. C'est la première fois que j'essaye également. On connaît bien sûr les intras. Moi, perso, les intras, c'est pas ce que je préfère. Je ressens tout le temps une gêne dans les oreilles. On connaît les casques, on connaît les bandeaux, on connaît les casques à conduction osseuse. Eh bien, ici, on est sur des écouteurs à conduction aérienne. N'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur la fiche technique. Et c'est vrai qu'en y regardant de plus près, eh bien, on est sur quelque chose d'aérien. Ce n'est pas quelque chose qui va vous gêner. Franchement, je dirais même qu'on les oublie assez vite. Bref, je m'égare un petit peu. On va d'abord faire l'unboxing des écouteurs ensemble. Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans les détails. Donc déjà, on va recevoir ça dans une boîte plutôt petite, comme vous pouvez le voir. En même temps, les écouteurs qui sont dedans n'ont pas besoin d'un grand espace de stockage. On peut voir directement sur la boîte qu'on va pouvoir pratiquer plusieurs activités avec les écouteurs. Donc du fitness, running, cycling, du vélo, de la corde à sauter, de la conduite, au bureau, de la communication, puisque vous allez voir qu'on a des micros sur les écouteurs. Et ils sont de très bonne qualité. En tout cas, meilleur que mon téléphone, c'est certifié. J'ai fait une petite conversation avec et on m'entendait très clairement. On va ouvrir la boîte. À l'intérieur, on va retrouver des papiers, comme d'habitude, qu'on va mettre de côté, qu'on n'ira pas. Des papiers, encore des papiers. Et oh, une boîte. Un câble de recharge en USB-C. Un petit peu radin, le câble tout de même. Hein. Il n'est pas très long. Ça, c'est un petit peu dommage. Et on va retrouver, bien sûr, la boîte qui renferme les écouteurs, qui est plutôt très design, très classe au passage. Donc, bien sûr, cette boîte va venir recharger les écouteurs. Vous allez pouvoir venir recharger la batterie de la boîte avec le fil USB-C. Et ensuite, ça va marcher en totale autonomie. Alors déjà, ce qu'on va remarquer, c'est que les écouteurs se glissent vraiment très facilement sur les oreilles. Ils s'enlèvent très facilement également. Alors, ils s'enlèvent très facilement, mais pas non plus assez pour que vous puissiez les perdre au moindre saut ou à la moindre course à pied que vous faites. Hein. Je dirais même d'ailleurs qu'ils tiennent très bien sur les oreilles. Je vais pas commencer à me lancer dans un exercice où je secoue la tête dans tous les sens. Hein. Quoique, pourquoi pas, regardez ça, franchement, ça tient super bien dans les oreilles. Voilà, et ben oui, il faut bien que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Et oui, franchement, comme vous pouvez le voir, regardez, ça ne tombe pas du tout. Alors, je sais pas si j'irai jusqu'à dire que vous pouvez faire du parcours avec. Par exemple, hein, je sais pas si vous allez pouvoir faire des saltos ou quoi. Pourquoi pas? Je suis sûr que déjà, vous pouvez marcher sur les mains, le truc va pas s'envoler. Donc déjà, ça tient super bien sur les oreilles. Ils se font vraiment très vite oublier. Donc ça, c'est très cool. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça va pouvoir venir s'adapter à toutes les morphologies. Puisque regardez, en fait, bah, c'est un simple fil qui va pouvoir... voilà, vous allez pouvoir vraiment le modeler un peu comme vous voulez à votre oreille. Pour le mettre, rien de plus simple comme je vous l'ai dit. Regardez, alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous préparez le truc comme ça. Et puis là, vous avez juste à tourner. Et voilà, c'est posé. Et là, je vous assure que franchement, bah, c'est super confort. Ils se font presque oublier. Alors, je dirais pas non plus que ça se fait totalement oublier. Mais voilà, ça gêne pas avec les lunettes ou quoi. Il n'y a pas de souci. Pour la recharge, eh bien, en fait, si vous voulez, le bout des écouteurs ici est aimanté. Donc, en fait, bah, tout simplement, vous avez une recharge gauche, une recharge droite. Hein. Donc, en fait, vous avez juste à glisser les écouteurs dedans. Ça va venir s'emboîter tout seul puisque c'est aimanté. Et hop, ça recharge. Vous le voyez, il y a une petite LED bleue. Et puis après, vous n'avez plus qu'à fermer la boîte. Et c'est dans la poche. Voilà, vous les ressortez très simplement, vous le prenez et vous le calez sur vos oreilles. Donc franchement, côté utilisation, intuitif et tout, c'est vraiment super rapide à caler sur les oreilles. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, avec, on va avoir le droit à 46 heures d'autonomie. Donc bah, franchement, c'est plutôt pas mal, ça fait presque 2 jours non-stop. Vous avez la technologie tube basse à l'intérieur, donc qui est censée donner plus de basse. Alors le son est très bon, franchement, il n'y a aucun souci. Hein. J'ai été épaté pour des écouteurs qui ne rentrent même pas dans les oreilles, qui sont juste posés dessus au final. Mais par contre, voilà. Jusqu'à dire qu'il y a des tubes basses, à la technologie tube basse, même si je mets une musique avec les basses boostées par exemple. Bon, le son est très bon, il y a des bonnes basses, mais par contre, voilà, j'irai pas jusqu'à dire ça remplace pas un casque quoi, les mecs. Bon, après, bien sûr, on part pas sur la même technologie non plus. Les écouteurs sont étanches IPX5, donc résistants à l'eau, donc pas de souci pour les utiliser, je pense, sous la pluie fine. Ça va résister à la transpiration, les trucs comme ça. Après, vous n'allez pas faire de la plongée sous-marine avec les écouteurs. Il en va de soi. Je vous parlais des microphones. Alors, j'ai essayé de faire des appels avec. Donc, les gens m'entendaient parfaitement clair. Même de meilleure qualité qu'avec mon téléphone. Bon, en même temps, voilà, au niveau du micro sur celui-ci, c'est pas dur à faire meilleure qualité. Ce qui va être bien vraiment, c'est qu'avec ces écouteurs, si vous êtes en conversation, vous allez pouvoir vous déplacer dans toute la pièce tout en ce que votre interlocuteur vous écoute, sans pour autant devoir vous rapprocher du téléphone ou quoi. Hein. Il entendra tout le temps la même chose. Et vous avez une réduction du bruit au niveau du microphone. Donc pas au niveau des écouteurs. Hein. C'est pas des écouteurs à réduction de bruit. Par contre, au niveau du microphone, ça va pouvoir effacer un petit peu les bruits ambiants pour que votre interlocuteur vous écoute toujours mieux. Pour les connecter, rien de plus simple. Vous les enlevez. Vous avez des petits boutons sur les écouteurs. Vous en avez un sur chaque écouteur. Vous les allumez. Et puis, bah, vous les appairez en Bluetooth à votre téléphone. À votre téléphone ou voilà, si vous utilisez...
un vidéoprojecteur, autre chose, enfin tout appareil Bluetooth. Donc très simple d'utilisation, très simple de connexion, un bon son, des bons micros, le prix picote un peu quand même. Hein. Je vais essayer de voir si j'ai pas moyen d'avoir des réductions ou quoi. Je vous laisserai aller checker ça, bien sûr, dans la description. S'il y a moyen, je vous mettrai tout ça, bien sûr. Ce que je pourrais rajouter peut-être, c'est qu'on a une charge rapide avec les écouteurs, c'est-à-dire que 5 minutes de charge dans leur boîtier va vous procurer 60 minutes de musique. De musique, d'appel, voilà. Ils vont fonctionner pendant 60 minutes, une heure. Avec seulement 5 minutes de charge. Donc franchement, c'est plutôt cool. Voilà, donc 19 heures d'autonomie avec une charge, 46 heures d'autonomie avec le boîtier. Sachant que pour les recharger à fond, il faudra compter à peu près une heure et demie. Et bien voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ces OpenRock Pro. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Si vous avez kiffé, vous pouvez laisser un petit like, ça fait plaisir. Vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose de pertinent à dire. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous mets bien sûr le lien des écouteurs dans la description. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Salut !